Salut, on se retrouve pour la suite de la carrière sur Project Cars 2. Donc on va passer sur la manche Ginetta Junior. On va essayer ce défi. Alors, je suis pas obligé de le faire, mais avant de passer à la catégorie 5, on va se tenter cette petite Ginetta qui me paraît pas mal à conduire. Donc comme d'habitude, je fais les qualifs et on se retrouve sur la grille pour la course. Allez, on se retrouve sur la grille de départ. Je me suis qualifié 11e. Donc avant-dernier. Je trouve qu'il y a un delta assez important entre leur qualif et leur rapidité en course. Allez, on va ressortir mieux ici. On est déjà 6e. Avec 9 minutes de course. On décroise, parfait, 5e. Allez, pour l'instant on est sur le podium. Pas du bon côté. Allez, deuxième, reste un peu plus de 5 minutes. Allez, je m'en sors un peu mieux, ça devrait le faire.
À fond ici. Je paye toujours à côté. Allez, on va finir premier sur cette première manche. On se retrouve pour la seconde. Allez, on se retrouve pour la deuxième manche de ce championnat Ginetta. Donc, je suis qualifié dernier sous la pluie. Déjà, il y a déjà de la sortie. Allez, on va essayer de se faire ça au freinage. Du mal à la deuxième, manque de motricité, manque de couple. Je perds énormément de temps là-dessus.
course, toutes les conditions sont réunies avec Project Cars 2. Cycle jour-nuit, en tout cas fin de journée, la météo dynamique avec la pluie. On peut dire ce qu'on veut, mais ça fait pas mal quand même. Bien, l'IA m'a pas trop serré. On s'est pas totalement débarrassé de lui. Il rigole, flaque d'eau. Allez, il va me rester 2 minutes pour essayer de choper la deuxième ou la première place. Putain, les flaques d'eau, faut vraiment que je me méfie. Hein. Ouf, la flaque là, elle m'a eu. Ça va peut-être passer à l'extérieur. Je vais pas m'en faire avoir une deuxième fois. Allez, on est cinquième.
pas trop mauvais, hein, compte tenu des conditions de course. C'est pas trop mal là. Cinquième. Allez, on se retrouve pour la troisième. Allez, départ de la troisième course, qualification 12e. Ça passera pas ici. Doucement. Allez, on a pris un bon départ. Passons qui vont être difficiles à chercher devant. Alors Clapy vient se mêler à la partie, on va voir ce que ça va donner et changer en termes d'adhérence. Il reste encore plus de 5 minutes à faire dans ces conditions-là. C'est vraiment ça, hein, tout l'attrait de Project Cars. Conditions changeantes. Et l'intérêt aussi de cette carrière, c'est que ça permet de voir justement tous ces changements. Ah, ça revient fort derrière. Hein. Essayer de prendre une trajectoire différente. Hop. Essayer de conserver du grip.
Ah oui, on sent l'adhérence très très précaire sur le freinage. Ah, c'est le pied, hein. C'est vraiment le pied. Allez, on passe premier, toute la matée derrière, en file indienne. Il reste 3 minutes 30. Faut se méfier ici, au flac. J'ai été un petit peu optimiste sur ma trajectoire. Regarde-moi ça, toi. Voilà, magnifique première place. Allez, rendez-vous. Quatrième course. Allez, on se retrouve sur la ligne de départ, toujours dernier. Forcément, un qualif, c'est pas ça. Hein. Heureusement, je me rattrape déjà à chaque fois sur le départ. Restez là, on va essayer de pas se faire tasser. C'est bon, ça passe. Je suis à l'intérieur. Ouais, oui, pénalité. On va lui rendre sa place, monsieur.
Ah, il va me faire le freinage, lui, là-bas derrière, là. Ah, on est 7ème, on perd pas mal de points, là. Les virages là qui est important, qui conditionne la ligne droite. Encore une fois, je l'ai mal passé. Lui là, on va se protéger au freinage. On va pas se faire voir à chaque fois. Allez, moins de 3 minutes. Peut-être essayer de passer en deuxième. Ouh là là là. Pas réussi à l'éviter. Quelques dégâts sur l'avant du véhicule. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre dans l'extérieur. Allez, ça nous met 5ème pour l'instant. Sa place, hein. Il est plus rapide que moi en sortie. Dernier tour.
va essayer de rester là cette fois-ci. Quitte à mieux ressortir. Non, j'ai pas trouvé la parade. Termine sixième. Il va rester une manche. On va tout de suite regarder ce que ça nous donne au classement. Classement, je suis deuxième. C'est Alex Greenland qui est premier à un point. Et ben, ça va être serré pour la dernière. Allez, ça fait plaisir. On s'est qualifié premier pour la dernière course. On va laisser un petit avantage. Donc je connais bien le circuit, on est sur le Snetterton 200, j'ai fait le 300 en championnat BTCC sur Air Factor 2. Et bien on n'est pas dépaysé. Repère de freinage, passage en courbe, tout ça. Les mêmes difficultés. Par contre les... Allez, je me loupe complètement. Les vibras sont beaucoup plus importants à certains endroits. Ce long droit est tout aussi difficile à gérer. Bon, on va passer par la même voiture, mais avec un freinage délicat ici. Allez, si on reste comme ça, ça nous laisse le premier au championnat. Au terme des 5 manches. Ouais, le freinage est délicat, ça, je l'avais dit.
1 minute to go. Second sector, that's the best time so far. Nice work. Et voilà, donc Otania en termine premier cette course, donc ça nous fait premier au championnat, si je ne me trompe pas. Hop, on va aller voir ça tout de suite. Ouais, premier au championnat. Voilà, voilà, si s'achève le championnat en Ginetta. Ah,
Alors un conseil, si vous faites la carrière, n'hésitez pas, c'est vraiment une bonne caisse, très agréable à conduire. Alors il me propose le championnat UCA 2, toujours dans la même catégorie. On verra plus tard si j'y reviens. Ah, je suis obligé de la faire, peut-être. Je suis obligé de la faire, je ne sais pas. Hop. Certainement. Bon, ben on fera ça à la prochaine série, à la prochaine vidéo. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Salut.